Bezrat Hashem, Chok l'Israël, la Gemara Iruvin 100b. Amar Rami, Rami Bar Abba, Amar Ravi Asi, Asur le Adam Shealech al Gabe Asavim, Be Shabbat, Mishum Shenemar, Veatz Beraglaim Chote. Shabbat, tu veux marcher, il y a du gazon. Tu n'as pas marché, tu n'as droit, pas droit de marcher sur le gazon. Et ça, ça s'appelle Atz Beraglaim Chote. Celui qui court avec le pied, il fait une faute. Quelle faute il y a quand tu cours avec le pied? C'est quand tu marches sur le gazon, Shabbat. On n'a pas le droit de marcher sur le gazon. Tani Chada Moutar. Mais une place nous dit, il est permis de marcher sur le gazon Shabbat. Et l'autre braïta nous dit que c'est assour. Alors est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Dit la Gemara la Kashia. C'est pas une contradiction. Habelachim, Habivishim. Il dit si le gazon est mouillé, c'est ça qui est interdit. Pourquoi? Quand il est mouillé, tu piétines là-dessus, tu déchires le gazon. Avec ton pied, tu fais pas, tu déchires. Quand le gazon est sec, dit Rashi, il est sec déjà. Alors il est considéré déjà comme s'il a été arraché. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu marches sur une plante ou quand tu arraches une plante, elle est connectée et là, elle a du vie, de la vie. Et quand tu l'arraches, tu l'as enlevée de la vie. Ça, c'est quand elle est fraîche. Okay? Alors le gazon, quand il est mouillé, il est bien. Tu marches là-dessus, tu le tues. Mais quand le gazon est déjà sec, il est considéré déjà comme mort. Il est déjà mort. Alors, si tu marches là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, il dit ici que des fois, tu as le droit de marcher sur le gazon Shabbat. Et des fois, non. Si le gazon est frais et mouillé, ne marche pas. Même s'il n'est pas mouillé complètement, mais il est frais encore, ne marche pas. Si le gazon est déjà sec, là, tu ne marches pas sur le gazon le jour de Shabbat. Sur le sable, il n'y a pas de problème, mais tu n'as pas le droit de toucher le sable. Le sable est mouxé. Alors, si tu vas à la plage Shabbat, okay, fais attention de ne pas toucher le sable avec tes mains. Il y a là-bas une chaise, assis-toi sur la chaise. Tu marches sur le sable, même si tu marques le sable avec ton pied, pas de problème. Même quand il y a la neige. Quand tu marches dans la neige, il y a des empreintes. Okay? Les empreintes, c'est pas un problème. Parce que tu ne fais pas attention. Qu'est-ce que tu fais? Mais toucher le sable, nous n'avons pas le droit de toucher Shabbat. Les enfants, jusqu'à l'âge de, on va dire, 5, 6 ans, tu peux le laisser. C'est mieux de ne pas qu'ils jouent pas dans le sable. Mais tu laisses, Ken. Mais faire comme, par exemple, comme ils font les petits enfants, des châteaux, des sables, tout ça. Ça, alors, ça non. Ça, tu n'as pas le droit de faire le jour de Shabbat. Et Bechlal, un adulte, c'est mieux de ne pas aller à la plage pour ne pas arriver à toucher le Mouktsé et tout ce type de choses-là. La Gemara continue en disant, Amar Bichia, dira Bichia, Maï Dichtiv, que veut dire le verset dans le livre de Eyov? Mais la Fnom et Bevot Aretz. On va étudier des animaux de la terre. Et notre sagesse viendra aussi des oiseaux du ciel. Mais la fnom et bemot aretz, dit la Gemara, ilolol itna Torah, Amar Rabbi Yochanan, ilolol itna Torah, si la Torah ne serait pas donnée, aïnu nevedim, on aurait étudié tzniut michatul. Dans la Torah, il y a une mitzvah qui s'appelle tzniut. Tzniut, ça veut dire d'être pudique. Cette mitzvah, selon beaucoup de commentateurs, elle fait partie de 613 mitzvot. Vous savez que le commentateur, il bat la question, qu'est-ce qui fait partie de 613 mitzvot? Le Maïmonite, il a une liste, le Ramban, le Nahmani, il a une autre liste qui n'est pas d'accord, il y a le Samag, il y a une autre liste, il y a plusieurs commentateurs qui sont en discussion, quels sont les 613 exacts? Mais plusieurs pensent que la tzniout, d'être pudique, ça fait partie de ces 613 mitzvot. Si la Torah n'aurait pas été donnée à Hasbe Shalom, on ne l'aurait pas accepté à Sinaï, on l'aurait appris du chat. Le chat, il peut nous enseigner la pudeur. Comment? Regarde le chat. Quand il veut se nettoyer, toujours il va dans un coin. Alors dit la Gemara, voilà, tu peux apprendre la Torah de l'animal. Si la Torah ne serait pas donnée, on aurait appris cette mitzvah d'être pudique de l'animal. À part ça, Gezel Minemala, de ne pas voler. Le vol, on aurait appris de fourmi. Regarde les fourmis. Quand une fourmi arrive, elle trouve quelque chose qu'elle veut prendre sur elle. Et c'est trop lourd. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse la chose. Elle va chercher de l'aide dans le nid. Entre-temps, il y a plein de fourmis qui passent. Aucune des fourmis va toucher cette chose. Pourquoi? Les fourmis ont compris qu'il y a quelqu'un déjà qui a touché ce grain de blé ou ce morceau de pain qui est trop gros.
grand. Alors, ils vont le laisser. Regarde, même les fourmis, ils font attention de ne pas voler une de l'autre. Alors, à plus forte raison, on aurait appris, si la Torah n'aurait pas dit l'otixolu, la Torah n'aurait pas dit, il ne faut pas voler, on l'aurait appris des fourmis. Attention que, dans le 10 commandements, quand on dit dans le 10 commandements, on ne dit pas voler, on ne parle pas de vol monétaire, on parle de kidnapping, de kidnapper quelqu'un et le voler comme esclave. Le ne pas voler est écrit dans le parashat Mishpatim, l'otixolu. C'est pas dans le 10 commandements, mais ça fait partie des 613, c'est pas important. Mais quoi qu'il arrive, on l'aurait appris de la fourmi. Après, il dit ici la Gemara. Dit la Gemara qu'on aurait appris aussi Derech Eretz Mitarnegol. Qui veut dire Derech Eretz? Comment se conduire avec sa femme? Comment se conduire avec sa femme? Tu aurais appris du coq. Pourquoi le coq? Parce que le coq, dit la Gemara, Mefayes Vachakar Boel. D'abord, il parle beaucoup à sa femme. Avant de rentrer en intimité avec sa femme, il parle. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Amar Rav, il dit comme ça à la poule. Zabina lach ziga devatu lachakarich. Je vais t'acheter un manteau long qui va t'arriver jusqu'au pied, jusqu'aux plantes de pied. Après qu'il est avec elle, Amar la lishmete le karbelate d'auto regula itlev velo zabinalach. Après qu'est-ce qu'il lui dit? Je m'excuse ma chérie, je n'ai pas. Tu sais, même si j'aurais, alors je te l'aurais donné avec plaisir, mais il joue avec sa crête. Avec sa crête, il joue à la poule qu'il n'a pas. Mais d'abord, il était gentil, il lui a parlé, tout ça. Alors, pour te dire, on aurait appris ce Derech Eretz du coq, comment il se conduit avec la poule. Pour dire, la Gemara avait nous enseigné que si la Torah ne serait pas donnée, on aurait appris toutes ces qualités de Torah. On aurait appris des animaux. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé les animaux avant les hommes. D'abord, il a créé les animaux. Et que leur bonne qualité soit imprégnée dans l'homme. Et après, il a créé Adam et Chava. Baruch Adonai Eleolam. Amen ve Amen.